It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Ok, du coup les amis, j'aime bien le mood. C'est Ayoub qui va narrater, qui va narrer. Narrater, pas le joueur de. Narrater, genre. Le qui va faire le narrateur tout court. Regarde, ouais. Ayoub, t'as pas froid, frère. Va... C'est Ayoub qui va narrer, du coup, cette game. Juste. Je sais que si t'es arrivé. Je suis bien. Juste, grave important, il faut pas faire trop de bruit parce qu'il est minuit 25 et que les gens ils bossent autour. Donc, on gardait le volume de voix que j'ai, tu vois. Non, j'en ai pas mode. Ah ouais, allez. Après, je te laisse quoi, trop du cul. Oh, la fumée, elle est rouge. Oh, t'entends le bruit? T'entends? Je crois que c'est un club. Non, ah, c'est hardcore. C'est Mira? C'est un renard. Non, Mira, attends. Mira, elle est là. Il y a des renards, hein. Ah non, bah non. Ah, elle est là, Mikhouri. Viens, Mikhouri. On fait une... Moi, je fais une game, moi. Après, si, c'est une petite bête. Tu sais que, demande à Ayoub, à 5h du mat, on a eu ça au même endroit, au fond, là-bas. Ayoub. Quand t'es dans l'eau. Écoute, les rôles, c'est ça. Attends, elle vient de refaire là. Il y a deux loups-garous. C'est une folie. Faut pas se mettre au téléphone, je vais mettre au rôle dans. Donc en gros, ouais. Non, mais pas le téléphone, tu dis aux oreilles. En gros, attends. Mais non, aux oreilles, tu peux entendre. Non, je mets dans vos notes. Mais non, mais on lui donne tous notre téléphone, il écrit, frère. Oui, vas-y. On t'a dit quel rôle on a choisi, du coup, ou pas? Mais je pense qu'il y aura. Y a non, mais on a déjà choisi. Un chasseur. Voyante. Non, on n'a pas mis voyante. Non, pas mis voyante. En fait, tu mets ce que tu veux, soit Cupidon. Non, après, on a choisi à l'instant. Regarde. Ayoub. Deux loups. Un Cupidon. Un chasseur. Et une sorcière. Voyante, sorcière, Cupidon. Il reste deux villageois. Tu mets deux loups, deux villageois, voyantes, sorcières, Cupidon. Il y a trois rôles hors. Deux loups, deux villageois. Wesh, elle a fait un bruit, ouais, la chaise, bizarre, de ouf. Trop bizarre, chaise. Trop bizarre, elle a claqué. Vas-y, bah ouvrez vos notes Cupidon. Comme ça et vous lui donnez votre téléphone et vous écrivez. Chasseur. Cupidon. Cupidon. Deux, quatre, et voyantes. 6, 2, 4, 6, 7. Et sorcières. Non, pourquoi moi? Parce qu'il n'y aura pas de village. Il roule, en fait. Il y aura deux sur 7. Deux bots. Deux PNJ. Okay. Habib, ça va être le PNJ. Sur les deux bots, il y a un maire. Donc il a une chance sur deux. Parce qu'il faut tu peux être le garou et être maire. Hein. Oui, je sais, mais en gros, genre en mode, ils ont une chance sur 7 d'avoir un rôle si de sorcier. Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué le garou. C'est incroyable. Déjà, tu connais la théorie de ce qui se passe à chaque fois? Vu que j'ai l'impression. Tout le monde a l'impression que je suis un manipulateur, tout le monde veut me tâcher direct. C'est sûr comme ça que ça se passe. Oui. Ou quoi, toi, t'as tué quoi, Miro? Mihori. Allez les gars, faut se réveiller au niveau des subs, hein, les gars. Là, on va pas faire 12 000 games si on voit que le timer il. T'as vu, trop mal le téléphone. Comment fait, frère, voilà. Mais sinon, en vrai, on est con. On devrait mettre le jour, le jour et la nuit. Le nuit. Par contre, personne triche, hein. Ah non, mais comment tu veux tricher? Là, on nous prend les yeux. Ça y est, sinon tu niques la game de tout le monde, c'est trop nul ça. On voit la fin, Madito. Loin de la fin là. Attends. Non, c'est une sans S. T'es un bâtard, je fais pas des clubs depuis hier. Et bien sûr, je tiens à le repréciser, mais pas de Wallah, pas sur la vie de ma mère, pas de tout ça. Ouais, oublie. On peut dialoguer sans jurer sur tout ce qui existe. De l'ordre. Normalement, c'est Cupidon en premier. Enfin, réexplique les rôles. Ouais, je vais expliquer. Attends, il y avait quoi? Deux loups. Il y a deux loups-garous, une sorcière. Une sorcière, un Cupidon, un chasseur. Un chasseur et deux villageois. Deux bottes, deux PNJ, deux salopes, deux fils de chien, deux grosses putes. Bon, déjà, de toute façon, mon premier, ça va être le Cupidon directement. Ayoub, le Cupidon, on le fait dès la première nuit direct. Ouais, là, c'est direct. Je savais pas, frère. Là, on va dormir. Il aurait pu fermer dans la chambre. Putain, c'est que le ok, du coup, les gars, c'est Ayoub qui parlera durant les nuits. Et voilà, après, on ferme nos mères. Faut que je réexplique les règles, vite fait. Ou les rôles. Ok, de toute façon, il y a deux loups-garous. Quand je vais les appeler la nuit, ils vont devoir tuer quelqu'un dans le village. Deux villageois ou serveurs, même. Voilà, simplement. C'est cool. On est le peuple. La sorcière, elle peut tuer ou reste quelqu'un. De toute façon, je lui demanderai quelle potion tu veux utiliser. C'est cool d'être villageois. Cupidon. Il choisit deux personnes qui seront en couple. Si une des deux personnes meurt, les deux meurent. Et le chasseur, dès qu'il meurt, il peut tuer quelqu'un avec lui. Voilà, c'est simple. Ok, c'est carré. En gros, s'il y en a qui connaissent pas le jeu, ben, je vais faire un tour de. Genre, je vais dire, ouais, le village s'endort. Cupidon se réveille. Après, Cupidon, c'est les loups. Après, c'est la sorcière. Et voilà.
Ok. C'est parti. Et du coup, le but des loups, c'est de tuer tout le monde. De tuer, et à chaque fois que je fais un tour, vous allez débattre pendant. Je vais mettre un chronomètre de 4 minutes. Et pour les loups, essayez de faire des mouvements le plus crête possible parce que je vous jure, sur un petit mouvement. Si, si t'entends. C'est juste un petit ça là, un petit mouvement de bras, ça comme ça, tu fais. Ouais, ou non, ou genre tu fais. Ouais, voilà. C'est un peu je vais tuer. Toi aussi, tu veux jouer le loup-garou? Ok. Toi, t'es la chienne. Bon, du coup, le village s'endort. Je vais demander au Cupidon de se réveiller. Cupidon. Donne-moi deux personnes que tu veux lier. Si une des deux personnes meurt, les deux meurent. Ok. Les personnes concernées, Cupidon, tu peux te rendormir. Les personnes concernées, je vais vous toucher l'épaule. De toute façon, je vais faire le tour de tout, donc vous ne saurez pas c'est qui de toute façon. Les deux personnes que je touche, c'est les deux personnes en couple. Je peux te couper de deux. C'est quoi? Je sais pas si tu les as réveillés, mais t'inquiète, je vais les réveiller après. Ok. Les deux personnes que j'ai touchées, je vais vous demander de vous réveiller et de vous regarder l'un l'autre pour savoir avec qui vous êtes en couple. Si vous voulez vous donner des petits indices sur vos rôles, vous pouvez. Quoi qu'il arrive. Je vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le couple, vous vous rendormez. Je vais maintenant demander au loup-garou de se réveiller. Et loup-garou, vous allez devoir décider de tuer quelqu'un ce soir. Vous voulez choisir. T'es tard pas dans l'abus, Ayoub. Voilà, c'est pas moi. Je C'est Maxime. Voilà, wesh, la farine elle t'est rentrée dans le cul. Qui a pété, wesh. Le loup-garou il s'est chié dessus. Oh, il a mal digéré le tiramisu. Le tiramisu. Le loup-garou, qu'avez-vous décidé de tuer? Okay. Oh, les loups, tuent le Peter, s'il vous plaît. Je vais demander au loup-garou de se rendormir. Je vais maintenant demander à la sorcière de se réveiller. La sorcière. Cette personne-là est décédée ce soir. Qui c'est? Est-ce que tu décides de la sauver? Est-ce que tu décides d'utiliser ta deuxième potion? Je vais demander à la sorcière de se rendormir, pardon. Je vais aller au moniteur vite fait. Hop. Je vais demander au village de se réveiller. Cette nuit, personne n'est décédé. La sorcière tient un banc. Ça vaut. Salam alaikum les gars. Salam. Je me présente. Je m'appelle Esteban, je suis un gentil garçon, ça. Je vais pas vous faire de mal dans cette nuit, dans ces jours à venir. Je me présente en tant que maire. Vous allez me dire c'est quoi mes décisions? Déjà virer les loups-garous. Je pense qu'ils ont des origines maghrébines, c'est pour ça déjà de une. C'est le pourquoi maire, les virer? Hein? On joue le maire? Ouais, dès le premier jour. Ok, bah ça a que 2 minutes alors le maire. Ok. Je me suis présenté. Je vais me présenter. Les arabes qui veulent faire les grands gueules. Ouais, moi, comme ça c'est fait, je m'appelle Sabine, je cherche du skex et puis voilà, je passe dans la ville. Mais apparemment, je vois qu'il y a des problèmes à régler. Bah écoutez, moi je suis là pour vous aider et... Voilà, tu connais, nous on est équipés. Mais regarde pas, c'est moi qui vais régler les problèmes, c'est pas toi. Ok, bah moi aussi je me présente. Parce que je suis Nia, je sais que je suis méchant envers personne. Ça c'est une phrase de bâtard. Et voilà, quoi, je sais que je vais vouloir tout faire pour faire en sorte que personne meure, sauf les loups. Donc voilà. Moi aussi je me présente. Alors pourquoi voter pour moi? Parce que. Elle est avocate, faites attention à la parce que déjà, premièrement, je pense que je suis la plus impartiale ici. Que avec mes études, j'ai l'habitude de voir à travers les gens et de pouvoir deviner qui sont les loups-garous. C'est acharpé, ça va être acharpé. Dans le nord, t'es villageois. Et donc, je vais pouvoir plus facilement les tuer pour tous sauver nos culs. Voilà, rentre à la L3 quoi. Quelqu'un d'autre veut se présenter? En vrai, c'est 4. Non, ça est 4 sur 7. C'est carré. Les gars, faut faire une décision. Levez tous votre doigt. Monte le doigt en l'air. Au compte de 3, vous allez décider un maire, tout simplement. Ok. 1. Vous pouvez voter vous-même aussi. Mais grave. 1. 2. 3.
Attendez, je compte. Il y a combien de votes sur moi? 2, 3 sur Esteban. C'est moi. Il y en a 2 sur Esteban. C'est moi. Il y en a 2 sur Maïli. C'est 3 sur Esteban. Esteban, let's go, les gars. Moi, Esteban, donc tu te fais confiance. Les gars, sachez que. Vous pouvez maintenant discuter. C'est Tarpin suspect. Vous pouvez avoir ultra confiance en moi. Tu m'inspires confiance pour le moment. Il n'y a pas de soucis. Moi, je pense que le loup-garou a une calvitie, les gars. Je suis persuadé que le loup-garou est une calvitie ici. Bientôt basket. D'accord. Hein? Bientôt basket. Bientôt basket, Inch'Allah. J'aurais bien aimé être loup-garou, mais bon. Après... Mais les gars, le mec, il a même pas. Ayoub, il a même pas dit bon, on fait les votes du maire et tout, que déjà lui, il a sauté. Moi, je trouve que c'est un maire qui est bien rentre dedans, les mecs. Ah, c'est bien bizarre. Parce que je savais pas qu'il y avait le maire. Et il accuse directement quelqu'un sans avoir aucune preuve. Un maire, pour moi, premier jour, il est grave en mode, il pose le terrain d'abord et après, tu vois. Il est là, il accuse un mec direct alors que bon. Il était gentil. T'as aucune preuve ni rien. C'est vrai que les gars, il n'y a pas eu de décès. On m'a fait la carte de gentillesse. Il m'a préparé les sentiments. C'est vrai que les gars, il n'y a pas eu de décès. Tu m'aurais fait la même, j'aurais dit oui. Vous êtes mes villageois. Je dois vous protéger. Protège-nous. Protège-nous. T'as repas suspect, frérot. Eh ben écoute, je propose qu'on se rendort tranquillement. On va pas accuser tout le monde. Moi, je pense qu'il y a une calvitie, le loup-garou. Après, je suis pas sûr. De toute façon, il y en a deux. Après, les gars, quand je dis, c'est pas cool. Peut-être la personne à ta gauche, elle est au moins à droite. On m'a dit que c'était toi qui avais ça. Ouais, bah, après voilà, moi je viscère, moi je suis villageois, je viscère. Après voilà, je suis le dealer du village. Je suis un maire, je suis pas un président. J'écoute vos avis à tous. Il parle pour rien quand même. Il parle pour rien. Moi je pense qu'il essaie de monopoliser. Je parle pour rien, en plus je parle fort de baiser. Il essaie de monopoliser la discussion pour. Toi tu rentres ce soir? Bah allez, allez-y. Moi je vous le dis, il monopolise juste la discussion et il s'est présenté instantanément parce qu'il a des trucs à se reprocher et là il veut pas qu'on essaie de débattre. Et moi je propose qu'on se rendorme et qu'on vaut. Elle a su pas battre. La toile, elle a le grail là. Bon bah ouais, le seul truc où je suis d'accord avec Esteban, c'est qu'il n'y a aucune raison d'attaquer. Il n'y a aucune raison d'attaquer pour le moment, donc autant se rendormir et voir. Allez, mais bon, le sorcier a donné une potion, donc il y aura sûrement un mort ce soir. Ou alors les loups-garous n'ont pas voté. Oui, c'est vrai, le sorcier a sauvé quelqu'un. Ah, normal, les loups-garous pas attaquer direct. Hein. Ils peuvent ne pas voter, genre. Ouais, ils peuvent ne pas voter. Ok, moi je sais pas. C'est con. Moi j'ai jamais vu ça, mais les gars, je propose qu'on se rendort. La sorcière a voté. Ok, bon, on va voir. Je propose qu'on se rendort. 1, 2, 3. Le village Sandor. Mais bon, tu gères pas le temps, frère. Le village Sandor. Ok, Pierre Sica. Le village Sandor, c'est la gorge aussi. Super. Mira, je regarde l'ordre. Alors, je vais demander au loup-garou de se réveiller. Les loup-garous, qui décidez-vous de tuer cette nuit? Je vous laisse 15 secondes. 15, 14, 13, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. À la fin du décompte, personne ne sera mort. 4, 3, 2, 1, 0. Les loups-garous se rendorment. J'ai entendu ce petit rire de gobelin. Je vais demander à la sorcière de se réveiller. La sorcière, cette personne-là est décédée cette nuit. Est-ce que tu décides de la sauver? Est-ce que tu souhaites utiliser ta deuxième potion? Sorcière, tu peux te rendormir. Le village. De fils de pute à mort. Juste avant, une petite question à Yub avant que tu dises ce qui est mort. Quoi? Les potions, c'est pas une qui suit. Si, une qui je le dis quand même, comme ça vous savez pas s'il l'a utilisé ou pas. Ah, mais j'avais. Ok, Ron est censé le savoir. Hein. Non. Ah, parce que j'avais l'impression qu'il est censé savoir. J'ai l'impression que. Et même la sorcière, même si elle utilise sa potion de vie, elle sait c'est qui est mort. Ce que j'ai à vous dire, c'est que les loups vous êtes tellement cramés. Oh là là. Les oreilles, ça fait tout. C'est une dinguerie, les gars, je le jure. Ah ouais, moi je sais, moi je pense que je suis mort parce que ta voix elle était vraiment verte. Non, moi je pense que je suis mort. Je tourne depuis tout à l'heure. Non, parce que je suis mort. Je pense, hein. Quelqu'un est mort du coup? Deux. Il n'y a pas un mort. Oui. Il y a deux fils de pute de sorcière. Deux morts. Non, un couple 100%. La personne qui a été tuée, c'est Habib. C'était quoi ton problème? Je savais parce qu'on m'a sauvé une fois et la deuxième fois, bah en fait ça a misé deux fois sur moi. C'est qui ton problème? Il y a un focus de baiser. Attends, mais il est en couple ou c'est la sorcière qui a tué? Il est en couple. Mais on peut savoir qui c'est qui était mort. Personne va dire c'est qui. Pourquoi? Mais parce que quoi qu'elle est révélée. Moi je suis mort perso. Oui, l'autre personne est morte. C'est Yamina. Allez, moi j'ai les deux. Moi je vous le dis, j'ai les deux. Moi j'étais un loup.
Ok. Et toi, Habib? Moi, j'étais un chasseur. Oh, chasseur, tu es quelqu'un là. Attends, Habib, juste avant, Yamina l'a défendu qui? Non, mais attends, moi je sais sur. Les gars, y'a que lui. Habib, si t'as des bonnes oreilles, tu sais de qui on parle. J'ai entendu de mes oreilles. T'as entendu les. Le chasseur, 30 secondes. 30 secondes pour décider. La vie de ma mère, je l'attendais. La vie de ma mère, je l'attendais. T'as choisi Miley, non. 100%. T'entendais ces petites le lèvres qui bougent. J'ai décidé de tirer sur Miley. Miley, qui a été ton rôle? C'était loup. Mais non, mais en fait, c'est juste. Mais je te disais, moi, je te disais, mais qu'est-ce que tu dis? Neymar, il a deux voix. Oui, mais le problème, c'est qu'il pensait tous qu'il était loup. Je t'ai dit quoi, Habib? Si on le tuait, mais il n'y avait plus les loups. Elle a voté sur qui? Elle avait voté sur trop de rôles. Parce qu'en fait, on se comprenait pas. On était les parce que si on le tuait, lui, on dernière seconde, Miley, elle a fait ça. Et Yamina, elle a dernière seconde. Après le temps, elle a dit, moi, du tout, c'était trop tard. Ouais, mais le truc, c'est comme tous les soupçons étaient sur lui. Du coup, t'as tué Habib, tu m'as tué. Mais oui, mais en fait, c'est à la dernière seconde. Ah mais oui, mais c'est la en fait, c'est la dernière seconde, j'ai dit lui, elle m'a fait voilà, non, et là c'était trop tard. Oui, c'est trop tard. Parce qu'à la dernière seconde. Du coup, la game est finie. Mais vas-y, t'as trop théoricraft. C'est moi, je vois des moments de bouche. J'entendais, je l'entendais. Je me suis dit, ça sent bien, c'est pas avec tout ça. C'est sauvé lui-même. C'est sauvé lui-même. Ah ouais, il m'a dit, c'est toi. Merde. Je vais vous expliquer la game vite fait. Sam s'est fait tuer premier round, il était sorcier, il s'est sauvé lui-même. Oh, il est chaud. Et après, j'étais en mode. Mais en vrai, non. T'es villageois? Ouais, moi aussi. Vous en faites une deuxième, c'était rapide. En fait, Maëlie, vraiment, je l'entendais, genre, j'entendais ses lèvres faire. Non, je l'ai fait une fois après. Et je l'ai entendu sourire à la fin. Dès que j'ai entendu ça, j'ai su direct que c'était elle. C'était quoi toi? Direct. Je t'ai coupé le don. Ok, moi j'ai téléphoné les gars. Ouais. Il l'a fait, retombe encore. Bon, vas-y, ils ont été les deux villageois de merde. Les deux PNJ là. Oh, par contre, Ayoub. Ayoub. C'est hasard de fou, hein. Blazik, tu peux retomber villageois. Ouais, il n'y a bah pas de. Ah, mais maintenant, Blazik, il a fait villageois, on va lui donner un meilleur rôle. Ouais. C'est vraiment full random. Mais bon, je pense pas trop. Je suis dégoûté qu'à la dernière fois, tu m'aies fait. Tu sais que c'est une dingue. Attends, on dirait qu'il est en train de chier. Parce que tu sais, moi, je voulais pas tuer Esteban. Parce que du coup, vu que les soupçons étaient sur lui, je me suis dit, vaut mieux. J'aurais fait pareil. Mais ouais, mais en fait, vous auriez dû être plus corda. Parce que quand tu. Après, ça faisait que son bruit, c'était trop drôle. Parce que quand t'as mis ton doigt sur lui, elle a dû se dire, oh la déesse. Mais oui, mais c'était à la dernière seconde. Parce que du coup, je lui dis, mais quoi, Esteban? Et à la dernière seconde, je fais bah lui, et me fait non, comme ça, et c'était trop tard, on pouvait rire. C'est vrai que c'est con. Mais en fait, on aurait tué Esteban. Déjà, il perdait ses deux voix. Et on aurait pu dire que c'était bah, du coup Blazix parce que bah. Il a mis son téléphone. Ah, parce que j'ai accusé. Ah ouais, moi, ouais, ça aurait plus logique de pas le tuer parce que vu que là, il y avait genre quasiment tout le monde qui était sûr que c'était lui le loup, tu vois. Ah, les deux strats, elles tenaient bien. C'était la merde. Et juste les loups-garous, faites gaffe à pas péter une barre. En fait, Cupidon, c'est dangereux, c'est tout court d'ailleurs. Juste péter. Il y a juste un moment où j'ai fait. Comme ça parce que j'essaie de lui dire mais non il pense tous qu'il est loup tu vois je faisais comme ça. Ouais mais ça t'est entendu de ouf, moi j'ai entendu tes lèvres bouger. Un combat d'ASMR une que ça hey, je l'ai pas entendu hein. Ouais mais je l'ai entendu. Non moi j'ai entendu comme Miley. À la fin je l'ai entendu sourire ça avait. Juste il y a un moment. Plus, quand j'ai fait non je me suis dit c'est bon je suis mort j'ai fait ouais il y a un moment j'ai senti ça j'ai senti. Je me suis dit elle a failli me mettre une gifle frère. Mais dans tous les cas j'étais mort. Bon les gars impossible si je suis loup vous allez savoir je vais parler comme ça. Ça, moi Cupidon, j'étais grave discret. J'ai fait quoi? J'ai fait. Mais Cupidon, tu peux faire grave des embrouilles, ça qui est bien. Ouais. Tu me regardes comme ça. Je fais un peu extrait d'écrire, comme ça vous savez pas si c'est 4 ou 8 lettres. Ou personne n'est en train de penser. On n'est pas à ce point-là. Je vais regarder les génères après, je vais l'enflaguer. Je vais chercher le cœur. Ah, moi aussi, s'il te plaît. Comment ça après? Tu me tailles. Je rigole. Ça y est. Non, s'il te plaît, non. S'il te plaît, s'il te plaît, arrête tout de suite. Franchement, gros bomba, gros pressing sur moi, Maya est rapide. Mira, t'es loup. T'es quoi? Ah si. C'est oh. Prêt à faire un pressing sur toi? Hein? C'est prêt à faire un pressing sur toi? Pourquoi? Parce que tu la calcules, c'est une attaque. Allez, les gars, elle me fonce dessus sans même que je la regarde. Viens sur toi. Mais non, fais vite, s'il te plaît, il est minuit 41, les gars. Viens sur toi. Au début, ouais, mais maintenant, je te jure que. Ok, le village s'endort. Bismillah. Ah ouais, ça fume en dormant, frère. Ah ouais, là-bas aussi, sage cakes. Je vais demander au Cupidon de se réveiller. Ça fume en dormant, c'est une folie. Le Cupidon, tu vas désigner deux personnes qui seront amoureux. Sans faire de bruit de bouche, enculé. Et ces personnes-là seront liées. Si une personne meurt, la deuxième aussi. Mais casse-toi, Mira, là. Les personnes que je vais toucher seront en couple. Arrête de me lécher ça. T'as pas léché, c'est moi je t'ai touché. J'ai léché la cheville, poteau. Mais tu m'as touché avec ta langue, c'est bizarre. Les deux personnes que j'ai touchées
sont en couple. Et quand je vous demanderai d'ouvrir les yeux, vous allez le faire tout simplement parce que vous voulez savoir. Putain, j'ai marché sur quoi? C'était bonne. Les deux couples. Enfin, le couple. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux et de vous regarder. On stoppe la bédave. Et maintenant, si vous voulez vous donner des indices sur vos rôles, vous avez quelques secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez vous rendormir. 3, 2, 1. C'était tard pour rapide. Vous dormez déjà, ça fait 5 secondes. C'est peut-être l'eau qu'elle lâche de sa bouche là. C'est toi quand t'es sorti de la piscine. Non, je parlais de ce côté. Si. Quoi, je fais le couple. Ok. Ce tour des loups-garous de se réveiller. Je vais demander aux loups-garous de désigner une personne pour vous les tuer cette nuit. Est-ce que vous avez décidé de tuer cette personne? Je vais demander au loup-garou de se rendormir. Je vais demander à la sorcière de se réveiller. La sorcière, cette personne-là est décédée cette nuit. Est-ce que tu décides de rigoler, Habib? Est-ce que tu souhaites utiliser ta deuxième potion? Arrêtez de rigoler. De tuer. Oh, la boit pas la potion. À la sorcière de se rendormir. De se faire enculer. Allô, sorcière. Ok. La sorcière. Je vais demander au village de se réveiller. Ah, c'est une belle journée. C'est pas vrai. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont bien dormi. Je t'as pas bien dormi. Je dirais pas la même pour certaines personnes. Ah. Ah, sorcière, t'es une pute. Il y a une personne qui est décédée cette nuit. Une seule. Oh, les bâtards, ils m'ont focus dès le début. Je pense que c'est toi, sale bâtard, t'as rigolé. Non, même pas moi, j'ai rigolé pour autre chose. C'est Madito. Ah bah tu vois. Ah tu vois, sale bâtard. Sur une fois, je prends pas focus. Qu'est-ce que tu manges, toi? Peut-être de l'œil. Madito vous a quitté cette nuit pour des bonnes ou mauvaises raisons, il vous le dira. Il est mort. Ça promis, coup comme as. Et il nous dit quand? Quel a été ton rôle? Loup. Oh, trop chaud la sorcière. Le mec est trop chaud. Chaud, la sorcière. En plus, je voulais me représenter en tant que mère pour vous baiser, mais ok, je vous laisse vite, apparemment. 2 minutes pour désigner un maire. Maître. Ah, c'est un maire, d'ailleurs. Non, maître. Moi, je maître. Me désigne. Mais moi, c'est faut pas parler. Moi, je suis la personne qui parle. Je me désigne. J'ai levé la main en premier. D'accord, je vous écoute. Ben, moi, toujours la même chose. Hein. Je suis toujours aussi Nia. J'ai toujours des good vibes à prononcer. Et j'ai de la jugeote, les mecs. J'analyse très bien. Ok, très bien, à mon tour. Je me présente en tant que maire pour deux bonnes raisons. Déjà, j'ai une oreille de fou bâtard. J'entends tout, j'entends vraiment tout. Je peux vous assurer que je vais trouver le prochain loup là, tout de suite maintenant. Ok. Voilà. Vu que c'est toi, tu vas pas avoir trop de mal. Je vais t'étais en collab avec Madito. Non, je veux pas avoir de mal. Plus qu'une minute. Vous pouvez me faire confiance. Personne n'a rien à dire. Trop vicieux. Je vais vous demander de lever la main. Toutes les personnes vivantes. Regardez-le, il peut pas. Miskin. Au compte de 3, vous avez décidé. C'est qui s'est présenté? Habib et Kaizok. Habib. Au compte de 3, vous décidez un mec. 3. Dégage, 2, 1. C'est Habib le gars. Bon. Ça, c'est le bon. Ouais, je pense qu'il faut que je lâche. 4 minutes pour discuter avec la chaîne. Ouais, c'est vrai que t'es pas mort. Bon, t'as fumé. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Mais en fait, ce qui est la question, c'est de savoir si c'est la sorcière qui a killé un mec ou si c'est les loups qui ont killé un mec. Bah, c'est la sorcière puisque ouais, c'était un loup. C'est pas tué tout ça. Ah, oui. C'est un loup qui a tué, donc okay. Forcément la sorcière. Là, il y a une sorcière de fou bâtard. Donc là, la sorcière. La sorcière, elle a one shot. Moi, j'ai une théorie. Moi, j'ai une théorie. Je pense que Habib, il est sorcier. Et son boost de confiance, je pense que vraiment, il est content de son move. Ouais, et là, il est en mode. Et ouais. Et je. Ok, non, personnellement. Voilà. Peut-être c'est Yamina ou toi et vous avez entendu ouais, Madito. Non, c'est pas moi. Vous me croyez pas, je suis pas censé. Voilà, c'est vous la gagner. Personnellement, ma théorie, j'attends juste de la confirmer pour voir au prochain round du coup. Wesh, non, mais c'est casse. Non.
C'est une folie, frère. C'est vrai, c'est un renard. Ça vient de s'approcher de la piste. C'est vrai, mais Mira va l'attaquer si un truc, ça doit être un hérisson. Un hérisson, un hérisson. Ah, bonne de merde. Bien, je l'écoute, bien, je l'écoute. En vrai, la sorcière, là, elle a vraiment full random et ça a payé, quoi. Moi, je suis sorcier, je fais ça aussi, frère. Tiens, ça passe ça, mais ça fait quoi, le coup? Non, j'aurais attendu. En vrai, moi, j'aurais attendu un peu. J'aurais attendu un deuxième rôle pour péter. Le couple, peut-être... Ça aurait foiré, ça aurait direct... Le couple, peut-être qu'il savait qu'il y en a un des deux qui était sorcière, il lui a dit, tu m'as dit tout, parce que je sais que... Mais comment tu veux que ça sache? Comment tu veux qu'il sache? Bah ouais, c'est ça. C'est faux, il a voulu... Non, après, je parle pas, je suis mort. C'est un des deux sorciers. Un des deux qui, moi et Maïl. Ouais, de vous deux. Après, si je vous accuse pas de d'avoir fait une arrêt. En vrai, c'est random de fou, genre le kill. Bah, je sais pas, parce que toi, t'as pensé direct que genre que moi, je t'ai accusé par exemple de t'avoir tué. Alors que c'est Majito qui est... Si tu m'as dit, ah, je suis sûr, vous m'avez tous focus. Ah, c'est toi de bâtard. Non, parce que t'es en face de moi, je t'ai regardé. Okay, genre, mais j'ai me suis dit, ah, les bâtards, ils m'ont tué. Est-ce que Yamina aurait pas tué. Ah non, bah non, vu que c'est pas un sorcier, c'est pas un loup. En fait, moi, déjà, quand j'ai entendu Habib et Kaizo crier pendant le. Pour moi, Yamina, elle est sorcière parce qu'elle a. Pour moi, pour tuer le loup direct comme ça, faut forcément avoir entendu. Ouais, avoir un truc flagrant. Après, il y a peut-être Kaizo. Après, oubliez pas que Kaizo et Majito ont rigolé pendant la période des loups. Comme ça, on fait. En fait, il a vraiment. Après, moi aussi, j'ai rigolé parce qu'il m'a fait rire, mais genre. Il a rigolé d'un coup d'un seul, genre, pour quelle raison, tu vois. En tout cas, il y a les clés, là. Ça, est-ce que je peux le dire ou pas? Si je peux le dire. Vas-y, dis. Est-ce qu'on avait les yeux fermés? Moi, je suis en train de faire ça quand même. Du coup, je voyais personne rigoler, mais j'ai rigolé tout seul. Pour le coup, j'étais à côté d'Esteban, j'ai vraiment entendu aucun bruit. 1 minute 30. Sam, les gars, je vous jure, il n'y a pas beaucoup, ouais, a pas beaucoup d'éléments. Là. Sam, je te sens pas. Il rigole depuis tout à l'heure. Je me dis, à part s'il a été deux fois sorti de suite. Vous voulez qu'on accuse et qu'on tue quelqu'un, frère? Non, non. Pour moi, c'est. On polémique. On fait du. Ah, Anana, là. Moi, perso, j'ai pas d'infos. J'ai pas envie d'intervenir, mais il y a un seul loup, donc en vrai, vous avez le time. Ouais. En vrai, il y a le time du coup. Moi, ça fait jouer à la game. Il y a eu promesse de Habib comme quoi il trouve le prochain round. Ouais. Enfin, j'essaye. Là, c'est pas le prochain round, c'est le même round. Ouais, c'est le même round. Ouais, pas le prochain nid, quoi. C'est pas la ouais, moi pour moi c'est il y a très peu d'éléments pour trouver qui sont j'ai fait moitié avec Habib, non, qui sont les loups, enfin qui est le loup le dernier là, sachant aussi les gars, prenez un truc en compte, hein, que peut-être que dans le couple il y a un des deux qui est loup, et les gars, à partir du moment où t'es en couple avec quelqu'un, tu soutiens pas le village même si t'étais à la base du villageois, hein. Non mais du coup la deuxième personne en couple elle fait quoi? Bah elle doit jouer comme elle doit jouer, ouais, bah, elle est de mèche. Non, mais il peut genre toi ton intérêt c'est que moi si je suis en couple avec toi par exemple, je te dis ouais je suis loup, je sais qui t'es en couple. Mais force pas, bah, je sais avec qui t'es en couple. Oui, mais tu sais pas que avec Miley dans la vraie vie, dans la vraie vie, dans ce jeu aussi. Juste, bah frère, je le sais. Mais je, non, je le sais, c'est moi qui te l'ai donné. Du coup, le reveal. On croyait pas le reveal, quoi. Ouais, du coup, mais je voulais moi, dire. Moi, je suis pas au courant, les gars. Du coup, je voulais dire, si Miley elle est loup. Ce serait con pour Cupidon de nous mettre en couple tous les deux. Oui, mais il a de l'humour, mais. Pas tant que ça. Du coup, je veux dire. Moi, j'aurais au moins fait un couple. Écoute, imagine, Miley elle est loup, et toi, tu l'es pas. Tu dois aller avec elle jusqu'au bout, frère. Même si à la base, t'es pour le village. Ouais, mais toi, t'es bizarre de dire ça, parce que du coup, si tu dis 5, les couples, 4, bah, ça veut dire que le 3, prochain loup, il va nous tuer 2, un ou deux pour. Chut. J'entendais pas. Wesh. Vas-y, bismillah. C'est la première fois que j'entends mon minuteur, wesh. Est-ce que vous décidez de voter quelqu'un déjà? Non. Non. Bah non, on n'a pas de. Le maire, tu peux prendre l'initiative parce que tu parles pas beaucoup. Non, bah écoutez, le moi, y'a rien à dire. Le peuple aussi. Le peuple, tu dis non plus, comme ça on la démocratie. C'est toi le maire, c'est toi qui s'impose. Ouais, je te crois. Le village s'endort. Ah, ça fait flipper. Je mets le casque dans les oreilles, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui va me tuer par derrière. C'est Hala parce que j'ai mis musique d'ambiance de Benz. Toi, Ligo. Je vais demander à l'élection de venir déjà. Et je vais demander. Là, arrête, casse-toi, pote. Au loup-garou de se réveiller. Demander au loup-garou de désigner une personne à tuer cette nuit. Je vais demander au loup-garou de se rendormir. Je vais demander à la sorcière de se réveiller. Cette personne-là est décédée cette nuit. Est-ce que tu décides de la sauver? Est-ce que tu décides d'utiliser ta deuxième potion? Je vais demander à la sorcière de se rendormir. Je vais maintenant demander à tous les villageois de se réveiller. Ah, quelle belle journée! J'ai bien dormi. Malheureusement, une personne est décédée cette nuit. Cette personne-là a tout fait pour essayer de boire les dernières gouttes qu'il y avait dans sa fiole. Malheureusement, il n'avait plus de potion. Cette personne s'est habillée.
Ah, le fils de chien. En plus, je l'ai su, parce qu'en gros, quand il s'est levé, quel est le rôle... j'ai eu la lumière qui a changé. Habib. Quel est le rôle de Habib? Sorcière. Ok, donc tu sais des choses. Mais tu peux plus les dire parce que t'es mort. Exactement. Hadid Babacus. Mais pourquoi il s'est pas sauvé Otto? Bah je sais pas, le frère il avait déjà sauvé quelqu'un. C'est un rateur, je me tais, lui il est mort, il peut pas dire. Ah qui je dis Babacus. Bah non, parce qu'il y a eu qu'un mec qui est mort. Mais justement, je parle pas. Il a sauvé quelqu'un au début et il a tué. Attends, d'où ça veut dire il a tué? Je sais pas. Ok. Grave con. Je pense à ça. Il a fait Abus Ferras. Je suis en gros, Wingardium Levio Hamar. Faut vraiment réfléchir, genre. Bah vas-y, laisse les 4 minutes, 2 minutes. Ok. Moi je vote pour lui. Stylé. Pas d'argument. Bah en vrai. Non, par contre, Basic 020, je pense non, mais qu'il doit pas choisir. Non, par contre, il y a une intuition de malade. Donc, déjà, tu dois lire à nouveau maire. Et genre, je ah oui, je pense qu'un peu de en vrai. Attendez, attendez. Le maire, il est décédé. C'est au maire de choisir qui il veut. Moi, c'est simple. Il est juste devant moi. Merci, frère. Parfait. Moi, je trouve déjà que le move de Cupidon de dire. Ou Cupidon ou pas d'ailleurs, de dire ouais, toi et eux. Pourquoi tu relances le truc? Bah, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ah, ok. C'est quoi, genre. Ok, alors déjà t'es en couple. Bah, il a de bah, non. Là. Bah, non, justement, move de Cupidon de dire lui et elle ils sont en couple. Bah, du coup, si j'ai raison, bah, du coup, j'ai raison. Bah, si t'as raison, t'as raison, mais si t'as tort. Et du coup, si j'ai pas raison, bah, forcément, le Cupidon m'aurait contredit quelque part, non? Bah, moi, je trouve. Bah, genre là, tu lances un call, Yasmina. Bah, non, parce que justement. Tu dis lui et lui ils sont en couple. Et Cupidon, il est là. Tu crois pas, il va dire. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Bah, non, justement, il a tout intérêt à cacher sa position. Bah, oui, parce que si tu dis qui est. Ouais, mais non. Bah, si. Bah, les deux, ils meurent. Je sais pas, mais en tout cas, je t'ai accusé et tu changes de. Oh, Sam Yamina. Non, je change pas de sujet, je fais le. Non, parce que déjà, regarde, je t'explique. Parce que Cupidon, si toi, imaginons que t'es Cupidon, ce qui n'est pas le cas, tu accuses moi et Maïli d'être en couple. Ton but, c'est de pas le dire. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu dis. Qui vote pour Blazix, les gars? GG. Aucune strat. Non, le tout et il est en couple avec Maïli parce que Maïli a le droit. En fait, je me dis. Moi, je trouve ça bizarre. C'est sûr. GG, il n'y a aucune strat. Déjà, c'est bon, je décide. Il n'y a aucune strat. Je suis pas content, je suis là tout de suite. Parce que là, en fait, vous faites comment autre pour rapport dedans. Je suis un narrateur. J'ai gagné. J'ai pas ton nom blanc. Vas-y, on attend. Parce que là, moi, je fais pas la suite. Regarde. Parce que regarde, moi, ma théorie, c'est quoi? Attendez, les gars, on s'entend pas. On s'entend pas, s'il vous plaît. En gros, là, moi, en gros, pour moi, si. Toi t'es vraiment Cupidon. T'as all-in sur et que tu. Attends, laisse-moi terminer. Si toi t'es Cupidon et que tu m'accuses moi et Mélie d'être en couple, GG ça fait un truc un peu douteux, ce qui n'est pas le cas. Si c'est Yamina et Sam, du coup, eux, ils vont se liguer tous les deux. Non, y'a qu'un qui est mort. Y'a qu'un qui est mort. Oui et alors, ça change parce pas. Que le but... Non en gros y'a qu'un loup là. Oui, bah, et y a du coup, loup, peut-être qu'un des deux loups c'est le E. Attends, mais lui, elle est loup et lui il le sait pas. Je vais lui poser une question Blazix. Je sais ce que je dis et genre. Toi, pour toi d'office, frérot, je sais ce bah que alors je du coup, pourquoi ils font plus confiance à toi qu'à moi? Moi, si je dis moi je suis Cupidon, Yamina, si tu veux pas me croire, mais moi je te dis c'est deux. Mais moi je te dis que c'est Blazix le loup. Juste, j'ai peur de. Du couple, j'ai peur de te prendre dans ma poche et en fait c'est toi qui nous douille. Parce que regarde, j'ai une question. Je peux pas. Pardon, je vais pas. S'il vous plaît. Ça fait 10 minutes, j'essaye de parler, frère. Moi j'ai une question. S'il y a. Pour moi, si t'es Cupidon, ton but c'est de pas dire qui sont les amoureux parce que sinon, le loup il va le savoir parce qu'il est réveillé aussi et il va tuer un. Je sais pas, je l'ai dit. Parce que je savais d'office qu'un de vous deux était loup. C'est juste pour ça, sinon je l'aurais jamais dit. Et pourquoi alors tu l'as pas tué au moment où De un, tu peux pas savoir parce que c'est Madito qui est mort bizarre, et il était loup lui-même, donc c'est la sorcière qui a tué quelqu'un, donc tu peux avoir aucune théorie sur moi ou elle. Et de deux, ça se trouve, t'es Cupidon et c'est eux deux qui sont en couple, mais Sam ne sait pas que Yamina est loup. Et du coup, vous êtes en train de nous accuser, nous, mais ça se trouve en fait, c'est toi qui a te fait enculer. C'est possible, GG. C'est possible dans le sens. En fait, vous faites des théories. C'est le principe du 50-50. Et je te le dis, si j'étais. Soit Rami Info, soit Rami Raison. Je te le dis, si j'étais loup, je t'aurais tué toi par rapport à l'info que tu viens de dire. Mais je te crois pas, je pense pas que t'es loup. Mais moi, je pense que tu safe moi. Moi, je t'aurais tué toi. Pour quelle raison j'aurais tué Habib? Y'a aucune raison valable. La raison valable c'est quoi? C'est que Sam, quand Habib il disait ouais Sam t'es beaucoup trop calme, tu caches quelque chose, il l'a tué instant. Sam c'est pas Sam. Je trouve qu'au premier tour. Pour moi dans le pire des cas c'est Yamina. Je me suis pas défendu parce qu'il y avait aucune accusation envers moi quoi. Si j'ai pas eu d'accusation envers moi. Non il m'accusait pas, il était mort. Personne m'a accusé. Non je parle la partie d'avant. Ah bah oui. Quand tu t'as accusé, tu t'es pas autant. Bah parce que je savais très bien qu'il avait aucun fondement. Par cœur. Là, il y a aucun fondement non plus, en fait, mais il ment dans deux options. Je sais pas, je le connais pas. Yamina, il ment dans deux options. Option 1, il ment, c'est le loup. Option 1, 2, et c'est je pense la plus probable, il est pas loup, mais Maïli est loup et il la défend de baiser. Non, c'est bah non, même si elle était en couple, tu penses qu'elle me l'aurait dit? Il reste combien de temps? 10 secondes. Mais oui, moi je changerai pas. Et Yamina, si t'es en couple, les loups, je vote change ça. Merci. Si t'es en couple, c'est trop bizarre de dire ton rôle parce que du coup, tu sais que. Tu pas savoir qu'elle est loup. Bah oui, si t'es en couple et que t'es loup, tu le dis pas, sinon tu sais que tu vas te faire buter. Non, mais vos gars! GG, y'a aucune strat. Bah bravo, vous avez gagné. Allez, t'inquiète, lève la main. Lève la main. 1, 3, 2, 1.
pour ça que j'aime pas le loup-garou, vous avez aucune strat votée au hasard. Game, frère. Ah ouais. Bah tu t'es dévoué, frère. Bah il a niqué la game. T'as niqué la game. Genre j'ai... Tu t'es dévoué, t'as donné ton rôle. Bah non, ça peut alors que t'es Cupidon, t'es censé les protéger. Je savais qu'il avait vraiment... Bah non, je veux gagner. Et c'est trop Cupidon, c'est censé les protéger. Non, parce que moi je veux que le loup, il meurt. Non, mais en gros... protéger le coup, qu'il y ait un loup ou pas. Tu sais que meurt, moi je sais pas. Allô. Mais tu peux pas savoir, tu m'as accusé sans savoir. Quelqu'un qui révèle son rôle, il est cache mort. Mort instant. En gros, là ce qu'il faut que tu saches, t'as révélé ton rôle, mais t'es mort cache. C'est que t'es Cupidon. Ouais. Tu sais c'est qui le couple. Mais avant d'être, avant d'être Cupidon, je suis villageois, donc dans mon intérêt. Non, t'es Cupidon, le Cupidon, l'inverse. Il protège son couple. Frère, surtout que tu ne peux pas savoir si c'est de villageois. Je vais dire un truc simple. Ça se trouve j'étais la sorcière et non, mais si tu me dis que c'est interdit de dire son rôle, ça oui. Mais par contre, moi je savais d'office quand les tuant, un des deux allait mourir et moi je savais que c'était ça. Et moi dans mon intérêt, regarde, j'ai gagné ou pas la game quand t'es Cupidon et que le village a gagné. Réponds-moi juste à cette question. Oui, parce que le couple était déjà mort. C'est tout ce que je veux savoir. Le couple était déjà mort. C'est ce que je veux savoir. Mais oui, parce que t'as leak. Du coup, moi j'allais pas tuer Maëlie en disant bah tiens. Là, oui, mais dans tous les cas, me dire que c'est faux alors que dans la finalité. On a pas dit que c'était faux. Dans la finalité. Parce que tu savais que c'était eux qui Oui, non, mais me dire que c'est pas bon alors que dans la finalité, moi je suis Cupidon, je veux que le village gagne et je savais qu'un des deux était village. Ah, laisse-moi finir, je savais qu'un des deux était loup et que je voulais all-in sur un de mes avantages qui était de savoir que Eddie est en couple. Moi, c'est pour moi, c'est par contre, si tu me dis que c'est interdit de dire son rôle, je le ferai plus. Déjà, c'est juste ça que je veux dire. Regarde, c'est interdit de dire son rôle de 1 et de 2, tu fais passer le couple avant le village. Dès que le couple est mort, tu gagnes avec le village. T'as compris ou pas? Mais surtout que... Mais dès que le couple est mort? Oui. T'es Cupidon. T'es Cupidon. Tu connais le but, c'est de mettre deux personnes en couple et ces deux personnes-là, tu dois les protéger. En gros, toi, le but de Cupidon, c'est même tout le village meurt, tant que ton couple est encore vivant, t'as gagné. Mais alors pourquoi de ma POV j'ai gagné quand ils sont morts tous les deux? Mais parce que t'as révélé et du coup, moi, j'avais pas le choix de pas tuer Maëlie. Non, mais même j'avais pas révélé. Mais attends, même j'avais pas révélé, je te suis. J'avais all-in sur eux. Ouais. Yamina, tu comprends ce que je veux dire? Même si je dis pas mon rôle, je dis moi je pense que c'est un des deux. En sachant que un des deux, enfin les deux ils sont en couple. S'il meurt, et ben moi je suis content parce que je sais que le loup il était dedans. Bah oui, mais t'as fait une conclusion hâtive de ouf. Si on était 20, ça marche pas. Je vais te faire une échelle. Peut-être que là j'aurais très bien pu niquer la game. Vous étiez villageois et j'aurais baisé la game. Mais moi j'ai all-in sur le fait qu'un de vous deux était. Et il l'a été. Et dans la finalité, est-ce que le village a gagné? Oui, mais t'as perdu du coup. Parce que ton couple est mort. Moi aussi, je savais qu'il était loup, mais je pouvais pas. Mais comment on peut savoir? Il y a aucune raison. Parce que j'ai voyé de ouf. Pourtant, je sais que c'était loup. J'ai fait des loups-garous pendant 4 ans. Mais ça voyait de ouf. Parce que bon, le Cupidon, c'est un mec qui est dans le camp du village. Le Cupidon, il est avec le couple. Moi, je t'ai dit, je suis rien. C'est qui était le truc? C'était Maïli? C'était Maïli qui était le truc? Je t'ai dit non. Ouais, mais je l'ai vu à ton visage que tu dis. En gros, regarde, je vais te faire l'échelle. Tu dois tuer les loups. Si un loup est en couple, tu dois gagner avec le couple. Si le couple meurt, tu gagnes avec le village. Et si t'es persuadé qu'un des deux du couple ils sont loups, tu les défends encore même juste si parce que c'est toi qui as créé le couple. Oui. T'es pas obligé de les défendre, t'es pas obligé de frère de les défendre. Non, moi, t'es obligé de les défendre. Moi j'ai jamais entendu ça. Mais tu peux pas leur accuser, genre en mode c'est trop facile de dire. C'est trop facile, frère. Tu sais qu'il est loup. Tu dis oui, bah c'est le couple. Non, mais même tu le remarques. C'est facile parce que. Tiens. Ouais, tu me croquais la tête. C'est facile de savoir que dans le couple il y a un loup. Tiens. Ça c'est pas facile à savoir. Genre le Cupidon son seul avantage. Elle est malade. Aïe, je capte ton point de vue. Genre le Cupidon son seul avantage, c'est savoir qu'il s'en coupe. Mais par contre, le move de savoir qu'un des deux il est loup, ça je le sais pas, c'est pas un avantage. C'est bon, stop. Je vais m'énerver. Tu vois, s'accuse et qu'il y a 4, tu vois qu'il y a 4 personnes sur eux. Au bout d'un moment, tu dis ils sont. Elle est venue de mettre une pression. Moi, dis à quoi? Y'a rien, c'est bon. Il a juste niqué la game, mais c'est pas grave. Nique ta mère. En fait, tu l'as niqué la game parce que vraiment t'as dévo. Même si. Nique ta mère, nique ta mère. J'ai plus dévo. Juste frère, t'as dit. En fait, moi je me dis, je sais que vous êtes en train de faire. Moi je me suis dit, quoi ça? Regarde, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pensais que tu pouvais fake. C'est quoi ça? Parce que tu peux très bien mentir. Regarde, c'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? Tu t'arrives, tu dis ouais. Je suis Cupidon, bah, personne va dire non, t'es pas Cupidon. En fait, ouais, l'avantage logique de Cupidon, c'est que tu sais qu'il y a deux personnes en couple, donc tu sais que s'il y en a un qui meurt, les deux ils meurent, donc déjà ça peut éliminer un bon loup-garou, ou si il meurt pas, tu te dis ok. Ouais, je capte, mais en fait, le seul truc qui me rentre pas dans la tête, basique, c'est de me dire qu'un de vous deux est loup, et que je vous défends. Alors que moi je suis un villageois, il est dans mon intérêt. Oui, mais là ça marche parce qu'on est pas beaucoup, vous avez au moins sur deux, donc t'avais plus de probabilité, genre t'avais on va dire 40%. Ouais, c'est exactement comme ça que je me suis dit, il y a plus de chances que je clutch, sachant qu'un des deux va mourir, et forcément un des deux sera loup. Alors qu'en vrai, si on était. Parce que pareil, imaginons. Les gars, juste petite info, il reste 14 minutes. Ouais, j'ai vu. Imaginons Sam, il était loup, il tuait Maëlie, on mourrait tous les deux. Il restait toi, Yamina, GGF. Moi je savais pas qu'un Cupidon défendait le couple même quand
il avait des grosses suspicions sur un des deux qui était. T'es pas obligé de les défendre. Juste, tu peux faire, tu dis pas, ouais. Tu dis pas, t'as pas, c'est pas ton. Ouais, je vois, je vois. Genre, t'es pas en mode là, ah non, c'est pas eux, je suis sûr qu'il est pas loup. Ouais, voilà. Je suis sûr qu'il est pas loup. En fait, à nous dire qu'il est pas loup. Tu vois, c'est un peu comme la petite fille. C'est un peu comme la petite fille. De fait, t'as parlé avec un baron de Hong Kong. Ouais, parce qu'en plus, si un de nous, enfin, du coup, t'étais loup. Ouais. Si un ou deux étaient loups, bah du oui, coup, en plus parce que regarde, loup, même, coup, même Madito, Madito giga random sa mort genre. C'est Habib frère, c'est mais frère full random. Je crois qu'il a entendu. La game était toute regarde, on n'a pas bougé. On s'est moi, je pense qu'il y a qu'un Youb qui m'a vu. C'est moi je l'ai vu. Bon t'as regardé ces hommes, j'étais endormi, j'étais là en train de danser. J'ai entendu un mec rigoler après moi, je dis ça et je le focus. Mais ouais, t'as même pas rigolé. Parce que regarde, on s'est levé, on s'est regardé, on a fait. La vérité ouais, j'ai fait ça. C'est quoi, moi je me couvre les yeux comme ça. Je demande à lui, j'étais comme ça. Ah je sais pas. Habib, quand mon attitude elle m'a dit Madito. Ah, c'était giga Habib, random. J'ai peut-être un peu fait de la merde, mais est-ce que je t'ai rendu heureux ouais. En tuant le loup? Ça, ouais. C'était vraiment giga random. Il y a un autre qui s'est passé dans la game, c'est quoi? Je sais plus. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. 14 minutes. Vas-y, rentrez bien. Bon. Hein. Vas-y, oublie pas des affaires, c'est après ta valise et tout. Je prends de la valise et tout. Ah, mais t'as rien laissé? Bah, si tu reviens demain, ça changera, non? Ah, oui, j'avoue. Bah, oui, en vrai, si tu reviens demain, tu peux oublier tout ça. Ouais, c'est clair. Sauf si tu reviens pas, prends tes affaires. Mais même, dans tout cas, prends ta valise. Quoi. Bah, oui, la valise, ça va bien ici. Bah là, j'aimerais bien refaire une game, mais déjà, on va pas être assez. Et en plus, ça va être fini, quoi. 13 minutes, quoi. Ah ouais, chaud. En vrai, je narre bien. Ouais. Bah, allez vous faire enculer parce que je le ferai plus, frère. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Bon, allez, bisous, la famille. Vas-y, mais bisous. Mais c'est jouable, là. Hein. Non, c'est pas jouable. Avec un loup. Non, c'est pas jouable avec 13 minutes de sabbaton, en gros. C'est bizarre. Ouais, mais t'enlèves ça. C'est jouable 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. Ah non, c'est j'entendais une voix de meuf, mais non, c'est. Non, bah dedans. Non, c'est Yamina qui parle. Non, mais je l'entendais ouais, derrière, wesh. Pire, venez, on non, laisse moi, le sabbat en scoulé. Trop bizarre. Vas-y, viens, on laisse le sabbat en scoulé. Il fait écho, il fait écho. Non, on laisse le sabbat en scoulé. Écho boy. Ouais. Ah, je dis là. Ah, vous laissez là. VSD. Non, pas du démac. Non, mais. Les mecs 10 minutes 12 minutes. C'est donc la fin. Parce qu'en fait, tu vois, toutes les nuits, on se dit, elles vont pas passer, elles passent à. Non, à ça. Non, elles passent vraiment trop bien. Non, elle passe à ça. Bah, toi, hier ça allait, mais il y a des nuits, ça passe pas. Il y a des nuits, c'est je me réveille, je vois une heure. Hier, je suis passé de, ouais, hier, c'était de 35 minutes à 4 heures. Ouais. Après, je suis repassé de 20 minutes à 7 heures. Moi, je pense vraiment sauf que là, sauf que là, à chaque fois, tu vois, le seuil du minimum. Il redescend. Il est de plus en plus. Ouais. Avant, c'était 40 minutes. Précoce, après, là. C'était 30 minutes. Maintenant, c'est 20. Là, aujourd'hui, c'est 12 minutes. Après, ils ont touché l'intérim, ils ont pas lâché un euro. J'ai envie de vous mettre des coups de coude. Ah non, mais là on sent les gens ils sont tous moi, à 7. Moi ça je vais aller chez eux un par un, je crois. Ceux qui regardent là, dites-vous que depuis ce matin, les gars, on a eu 67. Bon, en fait, la journée elle est vraiment calme de ouf. Hein. C'est la nuit. Il y a eu 67. Il y a eu 80. Ben, quand je suis arrivé, on était à un peu moins de 9000 quoi. Vas-y, tu sais, je me fais quoi un scénario de un guest qui vient et qui aurait clutch le truc si... le... Ah, non, mais si c'était, que... il était venu. Alors que dans, ouais, les... pas dans les nuits, j'en ai fait 300 quoi. Ouais. Non, mais les guests viendront en fait, pas. Le matin, mais je sais. Le matin avec des gouttes. Ouais, bah ouais. Valou. Mayuno, la journée il y a les points Vigo. Ah mais là la journée frérot, il est minuit. Bah là les gars j'ai en vrai le setup j'aimerais bien refaire un loup-garou mais là les gars on va devoir rush les subs, on va aller sur le PC hein. Même on est pas on y va. Et je pense que les gars on verra si on peut en faire un mais je pense que on sera. En fait d'ici la fin du sabbaton, on a vu tous les gens qui partent ce week-end. Un jour poto il y a tout le monde qui on va partir à Paname poto. Ça va faire un loup-garou à 15. Ouais ce sera incroyable. Masterclass. Et je fais pas narrateur pour rappeler, je sais pas. Il fait la voix off de Persica, mais qui la met tout, il mélange tout. Bon, allez, les gars, je vous remets sur le stream. Je vous mets sur le stream principal, les gars.